Le nombre de ballons touchés par Andrea Pirlo par match, c'est colossal. Et derrière la passe dans la course de Giaccherini. Giaccherini excentré. Giaccherini petit crochet dans la surface. Giaccherini du pied droit. La parade de Fontana derrière Vucinic. 4-0. Comme à la parade, cette Juventus. Stellare, comme on dit en Italie. Elle était étincelante, cette Juventus version 2011-2012. Et une nouvelle fois, qui est à l'origine de cette passe, Andrea Pirlo, qui trouve le décalage, même si Giaccherini fait l'appel parfait, s'il élimine bien le défenseur de Novara. Il aurait pu jouer directement en retrait avec Vucinic. Il a pris l'option personnelle, mais ce ballon revient dans les pieds de Vucinic, qui n'hésite pas, avec beaucoup d'application et de détermination, mais ce ballon au fond des filets. Et l'addition devient un peu plus lourde. Ouais, il devient même sévère pour cette équipe de Novara. Et tout à l'heure, je vous disais que le deuxième meilleur buteur de cette équipe